s'il y a bien quelque chose dont le roi Charles aurait aimé se passer ces prochaines semaines, si est un retour en pleine affaire Epstein juste avant le couronnement. Mais Ghislaine Maxwell, la principale complice de l'homme d'affaires dans cette histoire de trafic sexuel de jeunes mineurs, ne l'entendait pas de cette oreille. Depuis sa prison, la sexagénaire a à nouveau évoqué Andrew, le duc d'York, frère cadet du roi Charles III. Toutefois, pas question pour elle de charger son très cher ami lors d'un interview téléphonique pour la chaîne américaine Talk Television. Au contraire, la sexagénaire a tenu à le défendre, dans cette toute première prise de parole depuis son jugement. Déclarant notamment que la photo où l'on voit le prince Andrew enlacer son accusatrice Virginia Giffre est une fausse photo, elle s'en est également prise à la mémoire de la jeune femme qui, selon elle, lui ferait défaut et serait questionnable. Un soutien dont le prince Andrew se serait sûrement bien passé, si l'on murmure que celui-ci serait déterminé à se venger des accusations qui l'ont plongé dans le scandale, le prince doit surtout avoir envie de se faire oublier. Et de sortir son nom de l'entourage scandaleux de la franco-américaine, qui a écopé de 20 ans de prison. Jeffrey Epstein, le principal organisateur de ce trafic, s'est quant à lui suicidé. Un scandale pour toute la famille, un trafic qui n'a pas uniquement plongé le prince Andrew dans les sombres affaires, mais qui a également éclaboussé la famille royale dans son ensemble depuis quelques années. Mais si la reine Elisabeth II avait couvert son fils favori, un choix qui avait mis les Britanniques très en colère, le roi Charles ne semble pas, quant à lui, être dans le même pardon que sa mère. En effet, il ferait tout, en coulisses, pour que celui-ci soit persona non grata à Buckingham Palace. Et pourrait bien le désinviter du couronnement si son nom rejaillissait subitement dans l'affaire Epstein, pour éloigner au maximum le scandale. Pour le moment, le souverain ne s'est pas encore exprimé sur l'affaire, mais nul doute qu'en coulisses, les questions doivent fuser. Surtout que le scandale pointe déjà le bout de son nez grâce au prince Harry. Pour rappel, les filles du prince Andrew, les très populaires Béatrice, 34 ans, et Eugénie, 32 ans, seront quant à elles invitées avec leur mari, Eduardo Mappelimosi et Jack Brooksbank. Leurs enfants et potentiellement leur mère, Sarah Ferguson, qui retrouve des couleurs dans la famille royale ces derniers mois, 30 ans après son divorce. Toutes trois n'ont jamais lâché le prince Andrew malgré toutes les accusations.